Moi, à votre place, je réfléchirais bien. C'est tout réfléchi. Je suis prêt à doubler la mise. Et rassurez-vous, ce ne sera pas nécessaire. Ma réponse est définitive. Je vois que vous êtes un homme de caractère. Le sang, vous savez, c'est quelque chose. Hein? Pardon, vous connaissez ma famille? Non, je constate qu'il est difficile de vous faire changer de position. Vous avez vu juste M. Oubla. Bonne chance. Merci. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Rigobert, quand je te regarde là, je vois qu'une fois de plus, tu as laissé partir la chance. Pourquoi tu continues à t'entêter à vouloir garder ce terrain-là, qui intéresse tant d'hommes d'affaires? Pourquoi? Tu me crois assez fou pour vendre ce terrain à n'importe qui, à quelqu'un qui vient de nulle part, sous prétexte que c'est un homme d'affaires? Non mais enfin! Le sang, vous savez, c'est quelque chose. Il y a quelqu'un? Qui est là? Bonjour, ma fille. Oui? Bonjour, maman. Excusez-moi, suis-je bien au domicile de M. Muti François? Oui, pourquoi? Pourrais-je le rencontrer? Muti est absent. C'est son grand frère Makaya qui est là. Mais ne reste pas debout, ma fille. Viens, entre. Merci, maman. Bonjour. C'est toi que j'attendais. Assieds-toi. Bonjour, Yamakaya. Tu apprécieras. En tout cas, c'est un bon couteau. Estelle Marundu, ce nom te dit encore quelque chose? Marundu? Oui, j'ai connu une Estelle Marundu. Il y a un problème? Une jeune fille de 17 ans est arrivée tout à l'heure et s'est présentée comme étant ta fille. Et c'est elle sa mère. Ma fille? Son nom est Bella. Mais attends, là, il y a un problème, là. Je n'ai jamais eu vent de cette grossesse. Mais tout est possible à partir du moment où vous avez mélangé les jambes. Ce n'est pas pour rien que nos anciens disent qu'avant de se séparer d'une femme, il faut s'assurer qu'elle ait bien vu la lune. Non, mais je veux bien. Mais c'est que c'est une aventure que j'ai dû abandonner en catastrophe. J'ai appris que son mari avait juré de me buter, ou alors... Mais comment cet enfant est arrivé jusqu'à ici? Je ne sais pas. Mais elle est là. Et il va falloir gérer la situation. Oh là là, c'est une affaire compliquée qui arrive là. Et Rémi va me tuer. Mais elle est déjà au courant. Oh.
ne sais que depuis 2 jours. Je rentrais des cours toute joyeuse d'avoir décroché le tableau d'honneur. J'avançais vers la chambre des parents pour les en informer quand tout à coup... Quand tout d'un coup, je surprends une violente dispute entre ma mère et celui que je croyais jusqu'ici être mon père. Ce dernier exigeait de toute la vérité sur l'identité de mon véritable géniteur. Il a même menacé de mort pour qu'elle avoue avec peine que mon véritable père s'appelle Muti. Dans sa colère, il a décidé de m'ouvrir chez les parents de ma mère. J'ai préféré trouver mon vrai père. Bonjour. Bonjour, Maïrémy. Bonjour. Ne me cherchez pas, hein. Je suis à la cuisine. Elle, c'est Bella. Ah. Bonjour, Bella. Bonsoir, chérie. Je t'ai toujours dit d'ouvrir les fenêtres quand tu bois ton vin de palme. Oh, ça va, j'ai juste pris un verre. Bon, on peut parler des choses plus sérieuses. Et c'est quoi les choses sérieuses dont tu veux me parler? Oh, tu crois que même si l'on veut parler des choses sérieuses, c'est comme ça qu'il faut commencer? Moi, quand tu veux me parler, je m'assois, je t'écoute, je ne parle pas debout. Bon, parle maintenant, je t'écoute. Là, tu vois, là, je reconnais l'os de mon os, la chair de ma chair. Écoute, Mouti, je n'ai pas de temps à perdre. Arrête de tourner autour de toi. Entre l'arbre et l'écorce, il ne faut jamais mettre le doigt. Ils finiront bien par s'entendre. Bella, fais quoi? Oh. Bella, qu'est-ce que tu as? Bella, qu'est-ce que tu as? J'ai besoin d'air. Il faut que je m'asseye. Ce n'est pas grave. Ça va passer. Ne vous en faites pas. Vite! Passe-moi mon sac! Dans ce cas, tu vas devoir choisir entre ta bâtarde et moi. C'est quel complot, ça? Si c'est moi que vous voulez prendre pour une idiote dans cette maison, ça ne se passera pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu cherches? C'est malin, ça. J'ai oublié mes médicaments. Mais tu parles de quels médicaments? Mes calmants. Mais ce n'est pas grave. Mais si ça persiste, il faudra quand même que j'appelle mon médecin, le docteur Angali. Ah, je l'ai. C'est le portable de maman que j'ai braqué. Tout ce que je sais, c'est qu'un homme d'affaires de Mongoula lui a proposé 7 millions pour l'achat de son terrain. Quoi? 7 millions de francs CFA? Oui. Quelle aubaine! Alors, comme ça, Makaya vend le terrain à quelqu'un d'autre et moi, je suis là. Évidemment, tu ne me dis rien. Tu sais, à des moments, je me pose sérieusement des questions sur toi. Oui ou non, tu veux le bonheur de notre enfant? Tu sais très bien que c'est pour elle que j'ai fait construire cette auberge.
parce que les institutions plus tard, hein, moi, je n'aimerais pas qu'elle soit réduite à faire la vaisselle en lieu et place de ses autres frères. Tindy Obam, je dis, hein, tu m'as appelé, c'est pour l'enveloppe de Léa ou pour me parler de l'histoire du terrain? Bon, écoute, un blog, tu le connais quand même, qu'il y a trahison. Hein. Ah. Bon, ok, gardons le calme. Les 7 millions de francs CFA, Makaya, il les a empochés ou non? Qui t'a dit que Makaya a accepté de vendre son terrain? Quoi? Makaya refuse 7 millions de francs CFA. Ce monsieur Goula a même proposé à Makaya de doubler cette somme. Mais Makaya a refusé. Je vois la chose. Tu sais que ce vieux renard du désert ne recule devant rien pour parvenir à ses fins. Et contrarier mes programmes. Mais je suis sûr que là, en ville, il devrait y avoir quelqu'un qui le connaît bien. Et très bien même. Bon, écoute. Tu vas rester à suivre l'évolution de la situation. Mais tiens-moi au courant. Ok. Bon. Voilà, c'est tout ce qui reste de la concession de M. Mbina. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un incendie, il y a 10 ans. Un beau matin, tout a brûlé. Sa femme avait oublié la marmite au feu. Mais ensuite, il est parti où? Et qu'est-ce que vous le voulez? Nous venons lui parler d'une affaire de famille. Bella, la fille de sa nièce Marundou, a fait une fugue. Elle est partie de chez sa mère et est venue se réfugier chez nous. Je veux bien vous aider. Et M. Mbina n'est plus ici. Il est retourné en Dendé, sa ville natale. Et Marundou dans tout ça? Je ne connais pas. Bon, excusez-moi, j'ai affaire. Merci beaucoup, monsieur. À la prochaine. Il ne nous reste plus qu'à rappeler Marundou. Non, le numéro que Bella m'a donné ne passe pas. Et je ne me vois pas en train de prendre un billet de train pour aller la chercher à Franceville où elle vit maintenant. Mais dans ce cas, il faut contacter son mari. Non. Après les aveux que Bella m'a fait, certainement pas. Je préfère rappeler Marundou jusqu'à ce que je l'aie au téléphone. Il n'est surtout pas question que j'aille chez son mari. Je vois que tu n'as pas encore accepté Bella. Même toi-même, Yaming. Est-ce que tu vois que ça, c'est l'enfant de Mouti? Ça, c'est un coup monté par Marundou? Pour moi, que Bella soit la fille de Mouiti ou pas, n'est pas le plus important. Le plus important est de ne pas détruire ton couple. Et Rémi, il est temps de donner un enfant à Mouiti. Tu as raison. On dirait que tu t'aimes même dans mon cœur. Hein? Yamenge, ne me cherche pas. J'ai une petite course à faire. Hein? Ne reste pas longtemps dehors, oh. Tu dois être là quand ton mari rentrera. Mamingue, viens vite. Fais quoi encore? C'est Bella. Elle va mal. Bella, réveille-toi, s'il te plaît. Bella. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit qu'elle étouffait. Puis on ne sait pas si elle est venue. Il faut l'amener à l'hôpital. Justement, là, il dit que si ça persiste, il faut appeler un docteur. Angali, voici son numéro. Je m'en occupe. Yamenge, prépare-la. On va à l'hôpital. Azamouam, mon Dieu, ça, c'est quelle histoire? On va à l'hôpital. Où sont même les hommes de cette maison? Aïe! Soulevez, hein? Aïe! Ça y est, tonton, voilà qui sort.
nana. Oya, 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 ya yo la la la. Sukum na mbali do do do. Yo yo. Maman, pourquoi ce lit? C'est pour toi et tes futurs bébés. Je ne comprends pas. Ça viendra. Chaque chose en 100 ans. Bon, pour le moment, enlevez ta robe. Nous allons invoquer le rite Enigmanmut. Hey. Enigmanmut. C'est un coco. Le cocotier dans le coco. Goyeville la goyave. Enigmanmut donne la vie dans la grande vallée de la vie. Et seul, tu cries ma croix peut le faire venir. Et c'est quoi la vallée de la vie? Vallée de la vie? Nous venons tous de là-bas. Bon, assez papoté. Ah, va te changer. Et ensuite. Enlever ma robe. C'est quel médicament ça? Tu doutes? Tu oses douter. Et comme ça, tu veux que les enfants que tes parents t'ont attachés dans ton ventre sortent un jour. Tu penses que c'est un petit travail, ça, hein? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ah. Heureusement pour toi. Voilà. Ça, c'est Angomini, le compagnon de la vie. C'est cette substance qui garde et fait évoluer la grossesse jusqu'à son terme. Et Enigmanmut est l'homme, Angomini est la femme qui entretient. En fait, tu n'as pas idée de son pouvoir. Tu n'as vraiment pas idée. Oui, c'est elle qui va combattre dans 9 jours à Vinining l'esprit de stérilité que l'on a mis en toi. Mais. Seulement. Mais seulement. Tout ceci obéit à un rite. Ah bon? Lequel? Oh. D'abord, le ministre du Krimakro vide la bouteille. Ensuite. Ensuite? Ensuite, il faut absolument introduire le pouvoir, la potion, dans la vallée. Quoi? Quelle vallée? La vallée de la vie. Je dis, hein, Momoro. Maintenant, je te vois clair. Si c'est ce que tu as fait aux autres, c'est pas avec moi, Irimi. Dis donc, manque ma journée de travail pour des conneries. Mais Rémi, attends, tu es en train d'essuyer les esprits. Hein, attention là. Hein. Maintenant, je vois que tu es fou. Tu es vraiment fou. Trouve-toi un autre cobaye. Mais... Ah, ils arrivent. Enfin. Où est-elle? Comment va ma fille? Elle est en salle de réanimation depuis bientôt 45 minutes. Où venez-nous? Oh, laisse ça d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui sait? Ses sœurs disent qu'elle s'est étouffée. Et puis brusquement, elle s'est évanouie. Voici le docteur Ongali. C'est celui qui s'occupe d'elle. Ah, je crois que les chefs de famille sont là. C'est bien. Bonsoir, docteur. Je suis Mouiti, son père. Lui, c'est Makaya, mon aîné. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous tombez à pic. Pour l'instant, j'ai besoin de toute urgence de tous les médicaments qui sont sur cette ordonnance. Monsieur Makaya, bonsoir. Ah tiens, monsieur Ogula. Comment vous allez? Très bien, merci. Ah, et votre petite famille? Ça va, elle aussi va très bien. Tant mieux.
Tant mieux. Vous savez, de nos jours, il n'y a rien de plus précieux que la santé. Hein. Ah ça, vous ne pouviez mieux dire. Mais dites-moi un peu, Monsieur Makaya, est-ce que vous pensez à ma proposition? Entre autres, Monsieur Oula, il y a tellement de choses à penser. Je suis ravi de vous avoir revu. À la bonne heure, Monsieur Oula. Mais vraiment, quelle est cette maladie qui va ruiner les gens comme ça? Ce qui est sûr, c'est que je dois trouver de l'argent coûte que coûte et dire que je ne peux même pas compter sur Érémie. Puisque Marundu ne répond toujours pas, pourquoi ne pas appeler son mari Amion? À entendre Bella, cet homme est plutôt aisé financièrement. Moi, Mouti, appeler ce cancre-là? Non, ce n'est pas moi. Mouti, crois-moi. Quelles que soient tes raisons, tu dois appeler cet homme. Puisqu'il demeure toujours son père, parce que c'est lui qui l'a élevé. Attendez, attendez! Attendez! Le médecin, il vous fait appel de toute urgence. Messieurs, je vais être franc avec vous. La situation est plus critique que nous l'envisageons. L'échographie cardiaque a révélé un infarctus du myocarde atteignant 70% du territoire cardiaque. Il n'y a pas moyen de faire quelque chose. Il faut absolument lui faire une chirurgie cardiaque. Et vous pouvez la pratiquer ici, docteur? Non, hélas. Nous n'avons pas de spécialistes en chirurgie cardiaque dans tout le pays. Mais comment faut-il faire alors? Vous allez la laisser mourir? Croyez-moi, je suis prêt à vous aider dans la mesure du possible. Là, il faut absolument l'évacuer, soit en Afrique du Sud, soit en Europe. Mais avec au moins une caution de 7 millions. Avec une caution de 5 millions, je peux m'en charger personnellement. Le sang, vous savez, c'est quelque chose. Eh oh, que se passe-t-il? Ce type, c'est la deuxième fois. Tu le connais? Oui, bien sûr, je le connais. C'est quoi? Maïrémi, il faut maintenant que tu ailles dormir. Ah, allez. Laisse-moi tranquille. Ou même pas te dormir, je suis bien là. Ça, c'est quoi, c'est? Elle sort de quelle fête, celle-là, encore? On ne sait pas. Elle est arrivée avec cette bouteille. Elle a commencé à la boire depuis le bar. Puis elle est venue regarder la télé. Je ne sais même pas. Érémie, réveille-toi. Allez vite mettre de l'ordre dans sa chambre. Et franchement, les choses de cette maison-là. Vraiment, j'ai dit à Érémie, la fille de ton mari est entre la vie et la mort. Et toi, tu te saoules la gueule. Laisse-la tranquille. Tu ne sais pas ce qu'elle traverse comme problème. En tout cas, c'est pas en se noyant dans la bouteille hein, qu'elle va les régler. De toute façon, je n'ai pas de temps à perdre avec une personne qui pense qu'un cocotier donne des bananes. Qu'est-ce que tu dis? Combien de fois dois-je vous dire que cette incluse n'est pas la fille de Mouti? Une vagabonde débarque un matin de nulle part et tout le monde se prosterne à ses pieds. Érémie, toi aussi, c'est la fille de Marundu qui a été la fiancée de Mouti. Tout le monde le sait. Mais cette Marundu, c'est même qui? Qu'elle se présente et le confirme devant moi. Érémie, je crois que la bouteille t'a cogné sur la tête. Hein? Celle que tu traites de vagabonde est dans un lit d'hôpital. Et tout ce que tu trouves à faire, c'est de lancer des épines bourrées de jalousie. Quelle jalousie? Mais tu as d'abord quoi, toi? Écoute, Érémie, je ne suis pas bête. Tout à l'heure, j'ai parfaitement compris que tu parlais de ma filéa. Mais ce que tu ignores, c'est que deux personnes
le teint noir peuvent bien faire une métisse. D'ailleurs, mon arrière-grand-mère était métisse. Tu le sais, toi? Écoute, les codes de blanc, là, c'est trop fort pour moi. Invente-toi-même le monde avec Makaya. Et Rimi n'est pas dedans. Normal. Vu qu'on ne sait même pas comment on pousse un enfant. Arrêtez-moi ça. Taisez-vous. Vous êtes devenue folle ou quoi? Patron, ils sont déjà là. C'est bon? Allons-y. Ne me touche pas. Mon Dieu, Rémi, pourquoi tu me fais ça? Je crois peut-être que je ne te vois pas clair. Toi et cette Marundu. Qu'est-ce que Marundu vient faire là-dedans? C'est elle qui a envoyé cette fille pour te manipuler, pour que tu puisses me quitter. Et toi, tu refuses de comprendre ça. Ne pleure pas. Tu sais que je ne te quitterai jamais. Alors, si je comprends bien, Mouti avait un enfant. Mais alors, la pauvre petite, dans quel état elle est? Ah, Obam, moi-même, je ne sais pas par où commencer. Disons qu'elle va de plus en plus mal. Oh là là, je vous comprends. Ça doit être très dur pour vous, là. Et beaucoup plus pour la petite. Enfin, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous soutenir financièrement. Et puis, entre amis de longue date, si l'on ne s'entraide pas, c'est la catastrophe. Bon. Mais dans tout ça, que dit réellement l'hôpital? Les médecins ont dit qu'il faut absolument la faire évacuer dans un centre spécialisé. Une enfant de cet âge, avoir une hypertension artérielle qui se complique ainsi, c'est vraiment quelque chose. Mon cher ami, une maladie n'est grave que si elle peut se développer. Qui plus est, une maladie comme celle-là. C'est pourquoi le médecin nous a demandé de l'évacuer en Afrique du Sud ou en Europe. Mouti, petit frère, on est ensemble. Je suis là pour voir ce que je peux faire pour vous. Et puis pour le remboursement, bon, on verra. Il n'y a pas que le numéraire. Alors là, je te vois venir. Mais nous, on a déjà donné notre parole d'honneur à un autre. Déjà un autre? Un homme très intéressé par le terrain. Oh non. Mais ça, c'est la trahison. Puisque je me porte garant, je rembourse à votre place. Et vous savez très bien que je veux racheter ce terrain-là que mon père vous a bradé. Et alors, comme merci, vous préférez bazarder ce terrain-là à un inconnu? Enfin, l'heure n'est plus aux plaintes. On rembourse. On sait qui? On sait qui, pardi, c'est moi. Oui. Mais si je te suis, tu prends la place de Goula à ce moment-là. Non. Tu me saisis mal. Ça revient au même. Vendre à un ami n'est pas comme vendre à un inconnu. Je ne sais pas si tu me saisis. Obama, mon frère, je suis vraiment désolé. Tu arrives trop tard. Nous avons déjà donné notre parole à M. Oula. On va encore faire comment? Ça n'a jamais tué personne de ne pas respecter ses engagements. Ce n'est même pas un péché. Allons, réveillez-vous. Vous vivez dans quel siècle-là? Mais non! On va voir ça! Ah! Monsieur Ogula, bonsoir. Monsieur Bam, avocat de Monsieur Makaya. Ah, c'est vous. Bonsoir, maître. Bonsoir. M'envoyer un avocat à cette heure-ci, c'est étrange de la part de Monsieur Makaya. Ah bon? Ah oui. J'avoue ne pas bien comprendre. Un avocat, notamment, alors même que nous venons de nous mettre d'accord. Bravo, monsieur Oula. Vous avez vu clair et juste.
Et je crois que nous allons lever le voile de ce mystère. Asseyez-vous, je vous en prie. Je ne suis pas l'avocat de M. Makaya. Ah, voilà qui est clair. Garçon, un whisky. Donc, en gros, je suis là pour vous faire une proposition au sujet du terrain que M. Makaya veut vous vendre. Autant vous le dire tout de suite. Il est hors de question que je verse un sou de plus par rapport à la somme convenue. Vous n'y êtes pas du tout. Je suis ici pour vous rembourser la caution que vous avez versée à la clinique. D'autre part, je suis prêt à donner un bonus équivalent à 10% de la caution que vous avez versée. Hein, ceci afin que vous retiriez cette proposition que vous avez faite à Makaya. Avouez que vous êtes rudement gagnant dans cette histoire. Monsieur Obama, j'espère que vous plaisantez. Ce n'est pas dans mes habitudes. Au contraire, j'augmente le bonus. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Aucune. Je dis bien aucune offre au monde ne saurait m'empêcher de récupérer ce terrain. Est-ce clair, M. Obama? Ça n'engage que vous. Okuo, Makaya, est-ce que tu as pensé à tes propres enfants? Quel héritage comptes-tu leur laisser? Je vous rappelle que la petite va mourir si on ne fait pas ce qu'il faut. Si on n'agit pas vite. Vous avez tendance à oublier que Bella est la petite fille de Ndamba. Celui-là même qui nous a légué cette parcelle. Et d'ailleurs, ce que je fais pour Bella, j'aurais pu le faire pour chacun d'entre vous. Oui, papa, mais... Excuse-moi, hein. Pour moi, ta décision est trop hâtive. Tu aurais dû quand même nous consulter avant. On aurait pu peut-être trouver une meilleure idée. Je vois que dans cette affaire, il y a comme un peu de précipitation. Badjina, ce n'est pas le moment de faire dans la provoque. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Sinon, boucle-la. Au quoi? Je crus entendre qu'Obam, qui est proche de nous, t'a fait une proposition. Et alors? Alors, au lieu de prendre le risque de vendre le terrain à cet inconnu, pourquoi ne pas sauter sur la proposition de Bam, qui est proche de nous? Makai, hein? On sait qui on perd, mais on ne sait pas qui on gagne. Oh, réfléchis bien. Moi, je n'aurais jamais, au grand jamais, même si on m'avait dit ça en rêve, je n'aurais jamais cru que Makaya et Mouti pouvaient vendre la seule richesse qu'ils ont. Pour une femme qui a abandonné Mouti dans la souffrance, pour partir avec un autre homme. Ça se dit comme ça? Est-ce qu'on est là pour parler de Marumbu ou de l'enfant qui est malade? Quel enfant? Quel enfant? Cette bâtarde? C'est de ma fille que tu parles comme ça. Et Rémi, la prochaine fois que tu traites ma fille de bâtarde. Jetez un coup dessus cette photo. Merci. Bon, apparemment, je ne vois rien du tout. Hein. J'ai trouvé cette photo dans la chambre d'hôtel de Goula. Ne cherchez pas à comprendre. À chacun son boulot. La femme sur cette photo s'appelait Tomba. C'est la mère de Goula. Et à ce que j'ai appris, c'est la nièce du chef du quartier. À votre avis, qui peut être l'enfant? Ben, l'enfant ne peut être que Goula et l'homme à côté ne peut être que son père. Il y a des chances. Ouais. Mais entre nous, cela nous mène à quoi? Mon petit Ogula. Mais c'est lui. C'est bien lui. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas venir ici sans arriver chez moi. Et tu dis que c'est lui qui veut arracher le terrain à Makaya. Absolument. J'ai suffisamment de preuves. Ce n'est plus qu'une question de temps. En quoi cette histoire te concerne pour que tu surveilles Ogula? Mantini. Je tiens à sauver un vieil ami d'enfance, Makaya. Tu ne peux pas faire autrement.
Quelle histoire? Ah. Ils sont embarqués dans une histoire à bracadabrande avec une fille qu'il faut évacuer. Et ils sont obligés de vendre leur terrain. On ne peut pas me faire croire que tout cela relève d'un simple hasard. Vous avez un message pour moi? Non, monsieur. Ah. Mantimi. Mon mari. C'est donc vrai que tu es ici. Même pas venir me voir. Oh, j'avais des choses urgentes à terminer avant de venir m'occuper de toi. Ça fait vraiment plaisir de te voir. Comment tu as fait pour savoir? Ah. Tu ne le sauras que quand tu m'auras dit ce que tu es venu faire. Les affaires. Je suis venu traiter une affaire. Tu mens. Je sens qu'il y a en toi de la haine. Mais je ne peux pas te parler ici. Tu connais le chemin de ma maison et je t'attends aujourd'hui même. Et en attendant, je te demande de suspendre ta vengeance. Et tu... J'oubliais. Viens, je vais te faire un bon plat de coucoudou. Pauvre Nzamba. Décidément, le passé nous rattrape toujours. Si seulement mon frère avait daigné m'écouter, nous n'en serions pas là. Mon beau, ne sois pas trop dur avec Nzamba. N'oublie pas qu'à l'époque, il n'avait pas le choix. Mais il aurait dû quand même prévoir. Un enfant sans père, c'est comme une maison sans toit. Je lui avais même conseillé de laisser à Ogula une petite part de l'héritage, même si c'est un enfant à palabre. Moi, je savais que Etomba révélerait un jour à Ogula la véritable identité de son géniteur. Même si, pendant longtemps, elle a eu le souci de protéger Nzamba contre la colère du chef Oloko. Car après tout, ma nièce Etomba était sa femme légitime. Mais après la mort de Oloko, il pouvait faire quelque chose. Oh. Même mort. Il pouvait lancer un maléfice en Nzamba. Ce n'est pas à toi que je peux expliquer que les morts ne sont pas morts. Surtout quand on connaît la réputation de ce vieux caïman. Voilà qu'aujourd'hui, Ogula, qui a réussi, mieux réussi que ses demi-frères, veut se venger en récupérant tout le terrain de son père. Tous les deux, nous savons que vengeance et ambition ont toujours faim. Qui sait jusqu'où il est prêt à aller? C'est bien pour cela que je suis venu te voir, mon cher Mombo. Tu es le seul oncle qui reste à ses enfants. Et c'est toi et moi qui connaissons le secret. Il n'y a que nous pour empêcher le pire. D'accord. D'accord, Antimi, d'accord. On ne
peux plus étouffer cette affaire. Mais ça doit rester un secret de famille. La question est, que faire? À propos de souvenirs, est-ce qu'il t'arrive de penser encore à la façon dont j'étais aimé? Chaque millimètre carré de cette concession sentait mon amour pour toi. Tu joues toujours les malades ou tu t'es décidé de nous dire toute la vérité, hein? La Bella. Tu as intérêt à cacher le morceau, petite menteuse. Hein? Quoi? Quelle vérité? Regarde-moi cette bandite-là. Elle ne sait pas qu'on l'a déjà démasquée. On l'amène au poste. Nous sommes de la police. Tu es dans les sales draps, petite fille. Et ta seule porte de sortie, c'est de nous dire toute la vérité. Et depuis le début. Salut, fils. Bonjour. C'est un grand plaisir pour moi de te revoir après tant d'années. Ma chère femme, tu ne m'as pas informé que tu m'as trouvé un rival. Ah non, je ne suis pas ton rival. Je suis ton oncle, le petit frère de ton père. Je m'appelle Momba. Maintenant, tu sais qui est ton vrai père. Tu as dû poser des questions et tu as certainement entendu parler de moi. Pardon? Tu as bien entendu, mon fils. C'est ton père. Il s'appelle Momba. Assieds-toi. Tu as tout compris. Nous sommes là pour te parler avec le peu de souffle qui nous reste. C'est au sujet de tes frères. Je laisse la parole à ton père. Ehoula, mon fils. Tu sais, l'aigle se sert de la tempête pour voler encore plus haut. Oula, c'est vrai, et personne ne peut le nier. Tu es le fils de Nzamba. Et ça, c'est vrai. Il t'a pas reconnu. C'est vrai que tu t'es battu tout seul, loin de ta famille, et que tu es aujourd'hui plus puissant que tes aînés. Oui, je sais ce qu'est l'humiliation et la tempête qui gronde en toi. Oula, vouloir te venger comme tu veux le faire, c'est perpétuer la loi du mal. Tu frappes ce que tu devrais protéger. Tu n'en sortiras pas grandi. La vie pourrit dès qu'on l'entasse, et elle fructifie dès qu'on la sème. C'est pour toi que je laisse tomber tout ça, Mantimi. Pour toi. Mais si ce n'était que vous, j'étais venu pour vous détruire.
tous. Pour aujourd'hui, garde ton plat de koukoudou. Quand je reviendrai pour toi, je repars d'où je suis venu. Pour le bien de tout le monde, vaut mieux le laisser sortir de nos vies. Qu'il prenne le temps de panser ses blessures. Mais ce que j'ai vu, ça risque de lui prendre beaucoup de temps. Jamais vu un tel océan de haine chez un enfant de cet âge. Ah, Jamba, notre père, qu'est-ce que tu as fait? Et la pauvre Bella dans tout ça, qu'est-ce qu'elle devient? Ah, ben oui, c'est vrai. On a oublié celle-là. Qui est Bella? C'est la fille que j'ai eue avec Marundu. Elle a vu sa mère pour venir chez nous. Attends. Tu veux parler de la nièce de mon ami Bina, celle que tu voulais épouser? Celle-là même. Et toute cette histoire, c'est justement à cause d'elle. On doit l'évacuer en Afrique du Sud. Alors là, il y a quelque chose de bizarre. Cette jeune fille, elle est morte depuis un bon moment. 15 ans peut-être. Quoi? J'étais aux funérailles. Et à ma connaissance, elle n'avait pas laissé d'orphelin. Alors, qu'est-ce que je veux dire à Irène? Et Rémi, toi aussi, tu ne vas pas faire attendre tout le monde comme ça. Voilà, Rémi est là maintenant. Bonjour madame, inspecteur Pouta de la PJ. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? Reconnaissez-vous cette jeune fille? Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Serait-ce une enfant égarée, inspecteur? Oh. Qu'est-ce que vous racontez là? Quelle est cette histoire? Vous la connaissez? Vous permettez, monsieur Obama? Les questions, c'est moi qui les pose. Vous voulez donc dire que dans cette maison, personne ne connaît cette jeune fille? Pourquoi mentirions-nous, inspecteur? Écoutez, inspecteur, si la gamine a perdu la mémoire, nous ne pouvons pas vous aider ici. Ici, nous ne sommes pas dans un hôpital. Bien, je vois. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre franche collaboration. Nous n'avons fait que notre devoir de citoyen, inspecteur.